Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est la deuxième M6 Music Live Session de la saison. Et on reçoit cette semaine un artiste positif. Il s'est définitivement imposé comme la star des hits aux sonorités estivales, festives et aux textes parfois un peu osés, il faut le dire. Il est l'un des artistes les plus populaires de France. Il a sorti cet été son 7e album qui s'appelle tout simplement 7. Je vous laisse en compagnie de Kinvé. Bon, le temps qui s'accorde un peu. Tout va bien ? Vous avez pas trop chaud ? Ça va monter. C'est pas gênant ce qu'il va faire, vous allez voir. Un peu, c'est... You ready? C'est vrai qu'on tourne beaucoup. Allons-y. Tu es celle que j'ai toujours attendue. J'aurais aimé te dire des mots que tu n'as jamais entendus. Car mes yeux, je t'aime, est devenu bien trop répandu. De sorte de ta vie morose, je saurais le faire. Je serais voué à ta cause pour te satisfaire. Je ferais pousser des roses en plein désert si cela peut te plaire. Rien qu'une fois, rien qu'une nuit, rien qu'une fois. Toi et moi, ou peut-être pour la vie. On vous entend mal. Rien qu'une fois, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, ou peut-être pour la vie. Je n'ai jamais éprouvé ça auparavant. Laisse-moi seulement te prouver que ce n'est pas du vent. Personne n'avait soulevé en moi de tels sentiments. Dis-moi que j'ai une chance même si tu me mens. Et je te demande pas la lune, seulement de me laisser t'aimer. Une fille comme toi y'en a qu'une, dont je compte pas la laisser tomber. Je comblerai chacune de tes envies n'avouées. Oui, si tu nous laissais. Rien qu'une fois, rien qu'une nuit, rien qu'une fois, peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, rien qu'une nuit, rien qu'une fois, ou peut-être pour la vie. Je t'emmènerai là où tu voudras. Je te prouverai que je t'aimerai jusque sous les draps. J'apprendrai chaque partie de ton corps sur le bout des doigts. On réinventera le Kama Sutra. Entre nous, il n'y aura aucun tabou. Je te ferai des câlins tout doux, tout doux. Tu n'auras pas besoin de me pousser à bout pour entendre des mots doux sortis tout droit de ma bouche. Parce que rien qu'une fois, rien qu'une nuit, rien qu'une fois, ou peut-être pour la vie. Rien qu'une fois, rien qu'une nuit, je t'en prie, rien qu'une fois. Ou peut-être pour la vie. Tous les deux sous la couette, tu trouveras ça chouette. Quand sur le mur la lumière projettera nos silhouettes. Des petits mouvements saccadés, d'un coup je m'arrête. Toi qui as la parole aisée, tu resteras muette. Car je vais tellement, tellement t'en te donner. Que ton corps va totalement s'abandonner. Je ferai naître en toi des talents qui jusqu'alors t'étaient insoupçonnés. Rien qu'une fois, toi et moi. Rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, toi et moi. Ou peut-être pour la vie. Ensemble. Rien qu'une fois, rien qu'une nuit, je t'en prie. Rien qu'une fois, ou peut-être pour la vie. Oh oui, elle est belle, elle est belle, elle est, oui, elle est belle et élégante. Elle est belle, elle est belle, elle est, oui, elle est belle et élégante. Elle est belle, elle est belle, elle est, oui, elle est belle et élégante. Rien qu'une fois,
Choisis-moi. Merci. Alors ma mémoire planche, mais normalement c'est le nouveau single. Je dis normalement parce que je vais m'en rendre compte quand il va jouer les guitares de guitare en fait. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi vite, j'apprends et cela me rend plus fort. Car au fond mon destin m'appartient, il faut que je trace ma route coûte que coûte. J'ai plein entre les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de doutes. Il suffit de rien pour que les choses changent. Si une rencontre, un échange, ta vie peut basculer. Mais il y a plus étrange, tout cela arrive au moment où tu te sens le plus acculé. Tu verras des gens bien qui te tendront la main. Ce sera à toi de ne pas rater l'occasion et de toujours croire en ton destin. N'attends pas que les choses viennent provoquer. Laisse bien à la chance les propositions malsaines évoquées. En attendant la délivrance, mais on ne choisit pas d'où l'on est, d'où l'on vient. Et on a chacun notre destin, et moi j'ai le mien. Le mien. Et j'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie, et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi vite à fond, et cela me rend plus fort. Car au fond, mon destin m'appartient. Il faut que je trace ma route coûte que coûte. Entre les mains, car je sais bien que l'avenir est fait de doutes. La vie est un long combat où la chance ne compte pas, donc ne redescends jamais ta garde. Quand tu seras au plus bas, pense à ceux qui ne sont plus là et qui de là-haut te regardent. Baisse pas les bras, faut croire en soi. Garde la foi, sois comme le phénix qui ruine des descendants. Et cela malgré les coups de la vie incessants. Et alors, sois en ton destin, car il t'en reste un. Tu ton objectif, t'es suite, ne lâche pas de l'est. Ne laisse personne te dicter ce qui est bon pour toi. Si tu ne sais pas, alors qui le saura. Avant d'atteindre le bonheur, je sais que la route est encore longue. Mais un jour, toi et moi, on l'aura. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie. Et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi vite, j'apprends et cela me rend plus fort. Car au fond mon destin m'appartient, il faut que je trace ma route coûte que coûte. J'ai plein entre les mains et je sais bien que l'avenir est fait de doutes. Pour atteindre le sommet d'une montagne, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et seul ton courage t'accompagne, mais il sera ton meilleur allié. Maintenant imagine un peu que cette montagne représente tes rêves, assis tous tes vœux. La route sera longue et même si l'espoir s'effondre, si ta vie fait sens que t'en veux. Je sais que j'en aurai encore et ça me rend plus fort. Chemin de la vie. Merci. Bon. J'avais pas entendu, mais quand j'ai un oubli de parole, je fais des la-la-la. Ça marche plutôt bien. Bon, ça devrait être plus facile. Pour moi. Ça va toujours ? Ça fait chelou de chanter devant si peu de personnes, en fait. Ça, et puis, vous êtes là, on croit qu'on est au cinéma. Avec ma grande gueule en haut. Vas-y. Fighting. Got a tail on the one leg. Quand l'amour frappe à ta porte, tu n'as plus qu'à le laisser entrer. Tu ne sais pas ce qu'il t'apporte. Pourtant, tu veux te laisser tenter. Ça peut durer un jour. Ou peut-être pour toujours. J'étais sûr que je ne serais pas déçu. Et j'ai su que c'était la bonne quand je me disais. Elle a ce petit je ne sais quoi. Parce que une seconde loin de ses bras, quand nos corps se confondent sous les draps,
j'aime l'entendre crier. Jamais je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Je me demandais si la vie avait un sens et t'as donné un sens à ma vie. J'étais indécis, mais de toute évidence c'était le sens de mes envies. Jamais je n'aurais pensé tomber amoureux. Toutes ces peines je vais penser afin qu'elle soit heureuse. Elle a ce petit je ne sais quoi, parce que une seconde loin de ses bras, quand nos corps se confondent sous les draps. Oh non, demain je ne pourrais l'oublier, car elle et moi sommes liés. Bah, elle a, je dis je ne sais quoi. Oui, elle a, ce que d'autres n'ont pas. Ah ouais, elle a. Ce petit je ne sais quoi. Elle a, ce que d'autres n'ont pas. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, j'aime l'entendre crier. Oh non, jamais je ne pourrai l'oublier, car elle et moi sommes liés. Elle a ce petit je ne sais quoi qui me fait briller, parce que une seconde loin de ses bras peut me faire plier. Quand nos corps se confondent sous les draps, j'aime l'entendre crier. Oh non, jamais je ne pourrai l'oublier, car elle et moi sommes liés. Merci. Oh, c'est gentil. Ça se voit pas si je bois. Hein. Toi, tu bois, t'as pas besoin de boire, tu joues de la guitare. À quand tes cordes vocales sont usées? Feignasse. Quand je ferai l'interview, tu pourras boire. Alors celle-ci, je vous assure que... Ça se dit pas, les enfants. Bon. On a eu beaucoup de difficultés, parce que en fait, elle est très très rythmée à la base, mais j'avais envie de la faire quand même. Donc ça fait un petit coup de flamenco, ça va être marrant. C'est mon anniversaire et je souffle ma 30e bougie. Je me demande ce que ma mère va encore m'inventer ce coup-ci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se lève, porte un verre, elle s'adresse à moi et me dit: maintenant que tu es trentenaire, faudrait penser à ta carrière. Je préférerais sois fonctionnaire, au moins là je saurais que je n'aurai plus de soucis à me faire. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants, que tu fasses un peu plus d'état d'âme et que t'ailles vivre à mes dépens, que tu te trouves un métier sérieux, car la musique ça va un temps. Il serait temps que tu ouvres les yeux, que vite maintenant t'as plus 20 ans. Ah non. Oui. C'est toujours la même rengaine. Trouve-toi une femme qui sera tienne pour enfin te marier. J'aimerais qu'en compagnie d'elle tu viennes danser les valses de Vienne le dimanche à mes côtés. Elle me dit qu'elle serait contente enfin quand je lui annoncerai la venue d'un enfant. Change de métier car toutes les carrières ont des fins, et sur ce point-là je me défends, car la musique m'a sauvé la vie et je continuerai tant j'en aurais envie. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants, que tu fasses un peu plus d'état d'âme et que t'ailles vivre à mes dépens, que tu te trouves un métier sérieux, car la musique ça va un temps. Il serait temps que tu ouvres les yeux, qui vit maintenant t'as plus 20 ans. Ah non. Ouais.
Oh maman, désolé. Je ferai ce qu'il me plaît. Oh maman, désolé. Je ferai ce qu'il me plaît. Oh maman, désolé. Je ferai ce qu'il me plaît. Oh maman, désolé. Je ferai ce qu'il me plaît. Il serait temps que tu te trouves une femme et que tu me fasses des petits enfants. Que tu fasses un peu plus d'état d'âme et que t'ailles vivre à mes dépens. Que tu te trouves un métier sérieux car la musique ça va un temps. Il serait temps que t'ouvres les yeux. J'ai mis maintenant t'as plus 20 ans. Ohé, oh, ohé, ohé, ohé. Ohé, 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 ohé. Ohé, 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 ohé. Ohé, 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 ohé. Olé! Kinvey! Yeah. C'est quoi Kinvey, un métier sérieux pour ta maman? Fonctionnaire, c'est fonctionnaire, je pense. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un métier sérieux. Il y a beaucoup de métiers sérieux, je pense. Mais dans sa tête à elle, c'est avoir un CDI, mais dans une boîte qui ne va pas fermer. La sécurité de l'emploi, voilà, la sécurité à vie. C'est ça. C'est pas mal. Bon. C'est ce que je pense qu'elle voulait pour moi. Mais toi, ça ne te convenait pas? J'aime bien le risque, en fait. Tu es téméraire. C'est ça. Bah, merci d'être là. Bah, merci à On toi. On est ravis de t'accueillir. Donc, 7, c'est ton 7e album. C'est ça. Il y a beaucoup de 7. Donc, tu as 16 chansons dans cet album. C'est 6 ça. Plus 1. 7. 7. Tu l'as sorti le 7 juillet. 7. Tu as annoncé ta tournée un 7 juin. Juin, et il y a 25 dates parce que 2 et 5, 7. Tu as poussé le vice. Ouais, je pousse. Tu as poussé le vice, ouais. À caler tes prix de place en fonction du chiffre 7. Oui, on s'est pris la tête jusqu'à 34 là. 34 euros, 4 et 3, 7. 43 euros et 52 euros. C'est ça. Que et des 7. T'es un maniaque. Et on est 7 à danser sur scène. C'est vrai. Il y aura 4 danseuses, Timoise, Taina Wash et moi. Ça fait 7. C'est extra. Ouais. Donc c'est vraiment. Et on reste 7 secondes sur scène. 7. Salut. Ou 70 minutes. Ou non, 7 secondes, non, c'est 7 tout. 7 secondes, ça suffit. Bon, 70 minutes, ça fait court quand même aussi. Ouais, c'est vrai. D'où ça te vient, ce chiffre préféré? Ça vient de quoi? C'est parti de quoi? Ben, je sais pas vraiment. En fait, à force qu'on me pose la question, j'ai essayé d'y réfléchir, mais j'ai pas vraiment de truc. C'est le 7, je sais pas, il me plaît. Il est beau. Tu as même dit que c'était 7. Le mois de juillet, les vacances. Mais je crois que ça vient de là. Ça en fait, c'est que quand on était à l'école, je sais pas vous, les enfants, si vous écrivez encore la date de naissance, j'ai dit n'importe quoi. La date d'aujourd'hui, la date du jour en haut à droite. Mais nous, on le faisait. Et je me rappelle que quand je mettais 07, je savais qu'après, j'avais 2 mois de vacances. Tranquille. C'est peut-être pour ça que ça me plaît autant. Tranquille. Oui, c'était bien. Tu as dit vouloir que cet album soit le dernier. Tu avais d'ailleurs mis pas mal de chansons de côté, ouais, pour justement les consacrer à cet album. Mais d'où t'es venue cette idée d'arrêter au bout du 7e album? C'est dès le début, en fait. C'est quand dès j'ai commencé. Début. Bah déjà, en fait, on ne pensait pas tu comment faire. Tu t'étais dit, 7 albums, c'est bien. Oui, bah en fait, voilà. Quand on a fait le premier, je me suis dit, tiens, avec Fab, on s'est dit, on va jusqu'à 7. D'accord. Je sais pas, j'avais envie. Une belle histoire, normalement, ça a une fin aussi, j'aime bien. Et donc, on s'est dit ça. Et puis, quand on a fait le 7e et qu'on a vu ce qui nous restait, on s'est dit, on peut-être pas partir tout de suite, parce que déjà, il y a des gens qui nous aiment bien quand même. Et puis. Le principal. Oui, c'est le principal. Hein, mais c'est vrai qu'on était partis, je sais pas pourquoi. Je voulais faire une sétologie. D'accord. Voilà. Ok. On a le droit d'inventer et les ben mots. Ça sera pas ça. c'est un album éclectique. Il y a à la fois des textes osés. Comme c'est le cas, oui, quand même un peu. C'est bon. Enfin, moi, j'ai vu quelques mots, bon, on peut oser, enfin, on n'ira pas dans le détail, pas non, là. Non, des enfants, c'est un peu trop tôt. Oui. C'est un peu trop tôt. Des textes sombres, oui. Des chansons festives. Oui. C'est un peu ton album. C'est l'album qui te ressemble le plus. C'est le reflet de la vie. La vie, c'est à la fois des choses gaies, des choses tristes, un peu de sexe aussi. Bah oui, je pense que c'est ça. On est tous venus par un endroit à un moment. Si les cigognes, ça n'existe pas.
Donc non, mais en fait, non, mais ça fait les partie roses de la non plus. Non, ça, si, ça, si, si, ça existe, rose, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Pour ça. C'est pour offrir aux femmes quand nous aimons tout ça. Romantique en plus. Non, en fait, c'est je pars du principe que cet album, on a gardé tout ça pour faire un genre de concept en fait de vie. En fait, c'est il y a des trucs moi qui m'ont aidé en fait, donc j'essaye de les mettre dans des chansons comme Le chemin de la vie par exemple ou Ne l'oublie jamais. L'amour, je trouve que l'amour fait partie de notre vie. En vrai, c'est étrange d'en parler, mais je connais pas. Je suis sûr qu'on fait un test ici. Tout le monde a envie au moins d'être aimé ou d'aimer quelqu'un. C'est un sentiment qu'on a besoin, donc ça me plaît. Et oui, si je fais des chansons un peu osées aussi, c'est parce que ça en fait partie. Ça englobe en fait le truc de l'amour. Donc moi, je sais que c'est très péjoratif pour les gens quand on parle d'amour, c'est tout de suite presque de la facilité, mais c'est pas si facile que ça. Parce qu'en plus, faut enlever une certaine pudeur. Faut essayer de trouver quelque chose de touchant qu'on n'a pas déjà dit. Parce que l'amour, c'est vrai, c'est un thème qui a déjà été employé un milliard de fois. Et mais à la base de la chanson, les gens, c'était des chansons d'amour qu'ils chantaient, les troubadours. Tout à fait, c'est vrai. Oui, je connais le mot troubadour, je l'ai appris juste avant sur Wikipédia. t'es quand même un éternel optimiste, parce que... Pas tant que ça. Pardon ? Pas tant que ça. Pas tant que ça, non, c'est vrai ? En fait, c'est ce qu'on dit, c'est... Parce que dans tes chansons, il y a toujours... ok, c'est difficile, mais accroche-toi à tes rêves, parce que quand on veut vraiment quelque chose, on y arrive. Oui, c'est justement parce que je ne suis pas optimiste. Okay. En fait, c'est comme pour les comiques. Ouais, c'est comme pour les comiques, c'est que c'est les gens les plus drôles qui sont pas nécessairement dans la vie. Moi, ça me permet en fait de garder cette joie de vivre. Mais c'est pas, je sais pas. En vrai, les gens qui me connaissent savent que je suis pas le plus optimiste de la planète, non. Bon. Non. Tant pis. Mais je dégage de l'optimisation. Absolument. Comme ça. Tu dégages j'optimise. Une joie de vivre. Ouais, j'optimise ouais, beaucoup. Il faut optimiser à fond. C'est important. Si tu ne devais garder qu'une chanson de cet album. Vraiment? Bah, vas-y, oui. Le jour se lève. Le jour se lève. Ouais. Ah oui, ah quand même. C'est elle est sexe celle-là. Oui, mais en fait c'est parce que j'ai cru que tu m'aurais dit le plus beau cadeau. Ou le... Non, en fait quand j'affectionne plus une chanson qu'une autre, même si c'est assez compliqué parce que c'est tous mes bébés, c'est parce que c'est celle que je connais par cœur. D'accord. Remarque, elle est facile quoi, à retenir. Elle n'est pas si facile que ça en plus. Non, bah non. Ouais. Mais c'est que quand je l'ai, ça fait partie des rares textes dans ma vie que quand je l'ai écrit, j'ai pas eu besoin de le relire. C'est particulier. En fait, il était déjà dans ma tête. C'est la chanson que tu as écrite le plus vite de l'album, celle-là. Non. 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 Il y en a une que tu as écrite plus facilement que les autres. Je réfléchis. C'est long quand je réfléchis. Puis j'ai une tête bizarre, donc croyez-moi que c'est pas. Quel est le plus rapide l'album? Si, Une semaine avec elle, c'est une histoire. À partir du moment où c'est une histoire, en fait, quand tu commences, quand t'as le début, le plus dur c'est le début. Et après, ça vient tout seul parce que tu racontes une histoire. Donc c'est comme écrire une histoire. Oui, j'ai déjà dit, c'est ça. Oui. Ouais. Donc le lundi, mardi, tout ça. Et à partir du jeudi, il se passe des trucs. Hein. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah, il y a un moment, on peut pas jouer comme Monopoly non plus. Ouais, donc ouais. Bon, quand t'arrives le week-end, il se passe des trucs quand même. Ouais, hein. C'est bien, c'est vachement bien le week-end. Et la chanson que tu as mis le plus de temps à écrire? Le plus beau des cadeaux. J'ai mis 6 ans. C'est vrai ? Ouais. Parce que c'était la chanson qui te touchait le plus ? Non, c'est parce que j'avais pas la maturité pour comprendre ce qu'on m'avait expliqué. En fait, c'est pas une histoire à moi. Ouais. C'est une histoire qui est arrivée à un ami de la famille. Et j'ai pas pu ressentir en fait la vraie douleur qu'il avait. Je comprenais pas en fait quand il me l'expliquait. J'avais sa peine, je savais ce qu'il ressentait, mais j'arrivais pas à le dire et à l'écrire sans que ça fasse faux. En fait, c'est tous les textes que j'ai écrits auparavant sur ce thème-là, tout sonnait faux, comme si je ne comprenais pas ce que je disais. Et ça me gênait, parce que le but d'une chanson... Juste, il faut dire hein, que cette chanson, elle parle... c'est un échange entre son papa et sa fille, et sa maman est partie au ciel, et c'est un échange... Voilà. En fait, elle l'a jamais connue, et elle en parle encore maintenant, même si elle a grandi, mais elle en parle comme si elle était là. Et croyez-moi que quand tu vas chez eux et qu'elle en parle comme si elle était là la première fois, ça fait très bizarre. Et donc tu ressens tout ce qui est peine et tout. Et c'est le papa qui m'a dit si ça peut aider quelqu'un, essaye de l'écrire comme pour petite Émilie par exemple. Et mais j'ai jamais eu la. Il me fallait plus de maturité pour comprendre. Je pense moi j'ai pas d'enfant, donc c'était très difficile de me projeter sur la pensée d'un enfant, essayer de comprendre les petits trucs. Et puis je sais pas quand on a écrit cet album là. Je me suis senti d'attaque et puis ma sœur m'a dit, quand je lui ai fait écouter au studio, l'histoire c'est ça en fait, c'est qu'elle m'a dit « Ah, je l'aime bien, je peux la chanter avec toi ». C'est pour ça que vous l'avez fait en duo. Voilà, mais en fait à la base ça devait être sur un autre titre. D'accord. Bah tombe, vas-y. Bon bah ça tombe, au revoir. Dis-moi, il y a une chanson dans l'album qui m'a interpellée, c'est « Tous les soirs ».
Attention. Oui, bon, oui, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est tous les soirs. Ouais. Ce que tu dis, c'est de platine que sont mes disques. Ne fais pas l'indigné. J'ai fait des sons qui remplissent les pistes. Qui a dit qu'un blanc ne pourrait pas faire d'afro-trap ? T'as mis tes loup-boots avec un petit costard 3 pièces. C'est ça. Mais dans tes poches, tu n'as que 2 pièces. Quoi que ça te coûte, tu veux juste que les femmes te disent yes. Et moi, je trouve que ça pue comme jamais. Oui. Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un en particulier ? Non, on en connaît beaucoup, je pense. Oui, mais ça, non, ouais. mais parce qu'il y a des paroles là-dedans qui me font penser particulièrement à quelqu'un. Donc, toi ? Ouais. Ah non ? Non ? Bon, bah, je te dirai ça plus tard alors. Ah, pour le ça pue comme jamais. Ouais. Ah non, justement, c'est une c'est pour faire un petit clin d'œil, vu que c'est de la frotrap, okay, en fait. C'est un clin... c'est ah ça, non, il y a pas de. Voilà, le boutin, le Congo, ça pue comme jamais. Ah non, ça m'a tu fait crois ah non, j'espère pas du tout parce que. Oh, ok, d'accord, bah, c'est je suis moi, pas. Ah non, je suis en guerre avec personne. Non, non, et puis j'aime beaucoup, justement, au contraire. Au contraire, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. J'ai eu l'esprit mal placé. Ah non, mais ça aurait peut-être pu, mais c'est vrai que maintenant, quand j'y pense. Non, en fait, l'histoire du Congo et du Mandélé, parce qu'en fait, le Mandélé, c'est un terme pour dire blanc au Congo, et que mon ami d'enfance est congolais. Et m'appelait Mandélé toute mon enfance. Voilà. Donc c'était juste pour ça. Donc en fait, non, il n'y a pas de. T'as bien fait de rectifier. Mais le sapé comme jamais, oui, c'est une référence au sapé comme jamais. C'était voulu. C'était pour le jeu de mots. Le jeu de mots. Le jeu de mots, mais aucune vanne, on verra. Bon. J'ai remarqué que dans tes pochettes d'albums, il y avait souvent des nuages. Alors il y a un nuage dans 7, il y a un nuage dans Là où le vent me mène. Je sais pas. Je vous montre, hein, vous devez les connaître par cœur, mais Satinbanque. Il y a une raison à ça ? Ouais, je vais en trouver. Attends. Non, c'est parce que j'ai souvent la tête dans les nuages. C'est parce que j'ai la tête dans les nuages. Voilà, ok. Non, mais tu vois, je me posais la question. Je pense que c'est pour habiller une pochette à un moment. Ouais, c'est vrai, c'est tout. Bon, ok. Bon, non, mais parfait. Non, vraiment, en fait, c'est parce qu'on m'a toujours dit que j'avais la tête dans les nuages. Mais c'est vrai que c'est. Même les profs, ils disaient. Ils claquaient des doigts pour me faire revenir. Eh, viens ici. C'est moi. Bon, il y a des questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux. Donc, je vais les transmettre. Transmettre. Il y a Aurélie qui dit. Tu as quasiment 10 ans de carrière. Comment te vois-tu dans 10 ans ? Vieux. Ouais. Très. Mais encore. En fait, moi, je me projette pas trop. Hein. Ouais. Je suis très. Tu vis très, la vie au jour le jour. Bah, de toute façon, carpe diem, hein, c'est ton. Voilà. Non, je vis toujours. Je vis au jour le jour. Je fais ce que j'ai envie de faire. Au rythme que j'ai envie de faire. Non, prends pas la tête. Non, mais après, si je veux. Peut-être que si. En fait, il y a deux options. C'est si ça continue, je serai sur scène. Si ça continue pas, je serai en train de vendre des noix de coco sur une plage. C'est sympa. Ça peut être sympa aussi. Ouais, je m'en irai. Laurence dit : quel est ton plus beau souvenir depuis le début de ta carrière ? Oh, un seul, c'est dur. Un seul, c'est dur, mais je dirais mon. Oh, un seul, c'est dur, merde. Ma première date au Bataclan, parce que c'était la première fois qu'on commençait une tournée. Ouais. Ouais. C'est vrai que la première toutes les premières scène, fois, c'est... les premières et les dernières fois dans une tournée, c'est assez horrible. C'est la dernière, on pleure, la première, on est content. C'est un peu très bizarre. Alexa demande pourquoi tu chantes toujours avec ta sœur et pas avec d'autres artistes. C'est vrai que ta sœur, elle est présente sur tous tes albums. C'est ma sœur. C'est ta sœur. Mais est-ce que tu as des envies de faire des duos avec des gens ou alors il faut que tu sois proche d'eux dans la vie pour... Ah oui, ça c'est une évidence. En fait, il faut que j'ai une certaine affinité. En fait, après, ça se transforme en... À mes yeux, après, je juge personne, chacun fait ce qu'il veut, mais à mes yeux, à moi, en fait, c'est que ça s'approche à du... C'est pour vendre, en fait. C'est que tu prends de basses fans, tu les regroupes et tu vends plus, ça semble évident. Mais c'est pas... Mon intérêt n'est pas de vendre, c'est qu'on l'écoute. Ça veut dire qu'il y a plein de manières d'écouter un son, on n'est pas obligé nécessairement de dépenser de l'argent. Donc l'important, moi, c'est d'avoir quelqu'un devant moi pour chanter ou qu'ils écoutent dans leurs petits écouteurs avec leurs petites oreilles. C'est le principal. Voilà. Tu as bien raison. Mais c'est pas dit que j'en ferai pas un jour. Parce qu'il y a plein de gens en artistes pour qui j'ai des petites affinités, mais pour l'instant, c'est voilà. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Émilie demande, dit, que ressens-tu lorsque tu vois la foule t'acclamer et crier en chœur Kinvé lors de tes concerts ? Bah, ça fait toujours bizarre parce que tu te dis. Nous, quand on a commencé pour rigoler. Hein. C'était parce que ça nous faisait plaisir, en fait, avec Fab. C'était une déconnade. Et maintenant, c'est un sentiment particulier. Mais je t'avouerai que quand tu es sur scène, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas penser parce que ça te déconcentre. Ouais. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, ouais. Non, puis ça moi, donne en fait, un peu le vertige aussi. Oui, puis en plus, moi, si tu veux, je suis le genre de gars qui, une mouche, je suis déconcentré. Te déconcentre. Ah, j'oublie le texte, c'est fini. C'est que en concert, c'est moi qui écris mes textes, donc imagine la tristesse du type. J'ai quand même une télé avec un prompteur pour être sûr que, au cas où, y a une fille qui court en string au-dessus du truc et que d'un coup ça me déconcentre et je suis obligé de faire texte. Tu vois,
Non, c'est vrai. C'est là. Tout à l'heure, c'est simple. Quand je me suis foiré sur le chemin de la vie, parce qu'en fait, j'ai fait une note que je ne fais pas dans l'original, juste avant, et j'ai fait. Dit, qu'est-ce que c'est? Et du coup, bim. Qu'est-ce que c'est le texte après? C'était sympa aussi. Bon, on va le refaire après bien, normalement. T'es quelqu'un quand même d'assez discret. On connaît pas beaucoup de choses sur toi. Donc, je vais te poser 2, 3, 4 questions. Mais rien de bien méchant. 2, 3, 4. Quelle est ta plus grande qualité? C'est difficile de répondre soi-même, mais je dirais, pour moi, je suis sincère. Moi, je suis moi-même, quoi. Tu es vrai. Oui. Quelqu'un d'authentique. Je pense, ouais. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, pas forcément physique, ça serait quoi? Mon gros nez, peut-être. Ouais, quand même, on voit une bouche d'aération, le truc. Donc, ouais. T'exagères. Si j'éternue, vous êtes tous courant d'air. C'est la clim. Tu exagères un peu, quand même. Si, quand même. Si tu n'avais pas été artiste, quel métier aurais-tu exercé? Alors, psy, je pense. Psy? Ouais. Parce que tu as fait des études de psy. Ouais. Bah, combien de temps? Mais un an. Un an. C'est un début. Oh, bah, c'est un bon début. C'est le prémisse, quoi. C'est... quel est ton artiste préféré? Tout compris? Ouais. Ah, pour l'avoir vu, je dirais Céline Dion. Céline Dion? Bah, en fait, c'est que... Non, c'est vrai qu'elle est bluffante. Bah, elle est là depuis longtemps. Mmh. Je la trouve généreuse. En fait, je l'ai vue sur scène et j'ai... attention à ce que je vais dire. Je vous assure, je ne me compare pas à Céline Dion. Mais j'ai vu beaucoup de similitudes avec sa manière d'être avec les gens. D'appréhender. Ouais. Elle est comme moi, en fait. Elle parle aux gens comme, parce qu'elle est contente de le faire. Tu vois que c'est pas. Je suis parti la voir aux États-Unis et j'étais assez choqué de la gentillesse. Bah, elle dégage vraiment quelque chose de sympathique. Mmh. Et depuis ce jour-là, je dirais pas que je suis fan parce que j'aime pas ce mot. Mais tu admires ce qu'elle est. Attends, j'admirais déjà. Qui ne peut pas, à un moment, quand tu as fait le nombre de tubes qu'elle a fait, tu peux pas. Je suis assez d'accord avec toi. Et quel est le film que tu peux regarder encore et encore? Je suis très série. Très série. Ouais. Alors la série. Le film vient Inception et la série. Ouais, Game of Thrones. Quoi? Game of Thrones. Ah, Game of Thrones. Mais je l'ai regardé 4 fois, j'en peux plus. C'est pas vrai. Mais si, je regarde les détails maintenant. Si, je veux voir. C'est énorme. Bon, bah, écoute, merci Kinvé d'avoir été avec nous. Écoute, bravo aussi parce que tu as quand même brillamment tracé ta route hein, en 9 ans, cet album. C'est assez remarquable. Donc, je t'en souhaite 7 supplémentaires, au moins. Va falloir travailler. Hein. Oh, bah, je fais que ça, je suis au-dessus de tout le temps. Bon, on finit en musique. Vas-y. Sur quoi le prochain single? Ouais. Le chemin de la vie. Je vais essayer de faire le bout qui manquait tout à l'heure. Allez, à toi. D'ailleurs, tu fais toute la guitare, moi je chante que le bout qui manque. Ça te va? Faut que j'apprenne à boire un jour. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie et je sais que j'en aurai encore. C'est parfois je trébuche, je me relève aussi vite, j'apprends et cela me rend plus fort. Car au fond mon destin m'appartient, il faut que je trace ma route coûte que coûte. J'ai pas entre les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de doutes. Il suffit de rien pour que les choses changent, juste une rencontre, un échange, ta vie peut basculer. Il y a plus étrange, tout cela arrive au moment où tu te sens le plus acculé. Tu verras des gens bien qui te tendront la main. Ce sera à toi de ne pas rater l'occasion et de toujours croire en ton destin. N'attends pas que les choses viennent provoquer. Ne laisse rien à la chance, les propositions malsaines révoquent-les. En attendant la délivrance, on ne choisit pas d'où l'on est, d'où l'on vient. Et on a chacun notre destin, et moi j'ai le mien. Le mien. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie, et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi vite, j'apprends et cela me rend plus fort. Car au fond mon destin m'appartient, il faut que je trace ma route coûte que coûte. J'ai plein entre les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de doutes. Ma vie est un long combat où la chance ne compte pas, donc ne redescends jamais ta garde. Quand tu seras au plus bas, pense à ceux qui ne sont plus là et qui de là-haut te regardent. Baisse pas les bras, faut croire en soi. Garde la foi, toi comme le bénis qui renaît des instants. Cela malgré les coups de la vie incessants. C'est difficile d'ici d'anticiper, dissiper les peurs. Mais pour t'émanciper, les six prédominants encore. Et alors, crois en ton destin, sans qu'il t'en reste un. Sur ton objectif et surtout ne lâche pas de l'est. Ne laisse personne ne te dicter ce qui est bon pour toi.
Si tu ne le sais pas, alors qui le saura? Avant d'atteindre le bonheur, je sais que la route est encore longue, mais un jour, toi et moi, on l'aura. J'en ai eu des embûches sur le chemin de la vie, et je sais que j'en aurai encore. Si parfois je trébuche, je me relève aussi vite, j'apprends et cela me rend plus fort. Car au fond mon destin m'appartient, il faut que je trace ma route coûte que coûte. Je plante les mains, mais je sais bien que l'avenir est fait de doute. Pour atteindre le sommet d'une montagne, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Seul ton courage t'accompagne, mais il sera ton meilleur allié. Maintenant imagine un peu que cette montagne représente tes rêves ainsi que tous tes vœux. La route sera longue et même si l'espoir s'effondre, c'est ta vie faisant ce que t'en veux. Faisant ce que t'en veux. Cela me rend plus fort. Cela me rend plus fort. C'est le chemin de la vie. Yeah, c'est le chemin de la vie. Mec, ça arrête pas. C'est le chemin de la vie. J'ai réussi à faire mon bout de couplet. Très bien. Merci, Kinvé. De rien. Salut, à bientôt. T'as changé de place Bah oui, mais tu sais, moi j'aime bien voilà, être là où on ne m'attend pas. La tournée, c'est à partir du mois de mars 2018, ouais. Le 7 tour. D'ailleurs, il sera là. Il sera là ? Ouais. Bon, il fera partie des 7 alors ? Ouais, il sera caché. Ah, il sera caché, ok. Bon, mais bonne tournée, bonne préparation. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Merci, ah, attends. Oui, quoi ? Petit truc, parce que comme j'ai l'info, autant que je vous le dise à vous, en fait, la réédition sortira le 3 octobre, comme ça, vous le savez avant les autres. Et il y aura des... Non, 3 novembre. Mais je confonds les mois d'octobre et novembre, ils sont chiants les deux, donc je... T'auras combien de titres en plus ? Bah, à ton avis. Ah bah 7 ! Bah oui ! Ah, super ! On va tout faire, nous, c'est dans bah, le... Bah oui, mais non, mais c'est super. On est corporate. À bientôt, merci. Merci, hein. Beaucoup. Ciao.